Hello, hello, hello. Je suis pas prête, faut que je me coiffe et tout encore. Je suis dans le speed. Je vous explique. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien. Je vous explique. Toute cette semaine, on va carburer sur les vidéos et les adresses pour Mail Explore. Donc, du coup, j'ai demandé à Imen si elle voulait bien venir à Marrakech sur toute cette semaine jusqu'au 8. Imen, c'est une fille que j'ai rencontrée ici à Marrakech qui est photographe. Et franchement, qui est juste exceptionnelle. Enfin, je l'adore, on s'est super bien entendu. Du coup, je l'ai contactée pour ça. Donc, elle était hyper emballée par l'idée. Pendant que j'étais en France, j'ai planifié plein, 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 plein d'adresses différentes. Parce que vous m'avez envoyé beaucoup, beaucoup de messages. Et je sais que vous êtes très nombreux à arriver à Marrakech après le Ramadan. Et je sais que vous avez besoin de pas mal d'adresses. Donc, j'ai essayé de me baser sur toutes vos demandes. Et du coup, bah là, pendant une semaine non-stop, on va pas arrêter avec Imen. Donc, on va faire des brunchs, on va faire des restos rooftop, on va faire spa, excursions. Enfin, vraiment, j'ai essayé de me baser à vos demandes, à ce que vous m'avez demandé en majorité. Donc, ça va être hyper cool, ça va être très fatigant, mais ça va être trop cool à faire. Et puis, donc, j'ai essayé de tout concentrer sur une semaine. Comme ça, vous avez rapidement les adresses. Après, juste le temps que ça parte à l'équipe de montage, que les montages soient faits et que je publie. Mais normalement, pour ceux qui viennent sur la période après le Ramadan, vous devriez normalement avoir pas mal d'adresses. Ça devrait être utile pour vous. Bon, moi, je vais me préparer mon petit thé Wonder Nana, vous me connaissez, hein. Moi, la cure que j'adore, c'est les infusions ventre plat. Franchement, pour les ballonnements, pour la rétention d'eau. Pour avoir le ventre dégonflé, franchement, c'est le top du top. Si vous voulez entretenir votre ventre plat et avoir un système digestif amélioré, franchement, c'est le top du top. Donc, vous mettez, moi j'aime bien mettre mon thé à infuser là-dedans, mais vous pouvez aussi mettre directement dans l'eau bouillante et après vous filtrez à la fin, quoi. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe, hop, et après, hop, je le glisse là-dedans et j'attends 10-12 minutes. Bon, pendant que ça infuse tranquillou, je vous explique le principe de Wonder Nana. Donc, c'est des cures qui durent 21 jours. Vous commencez toujours par celle-ci, la cure express. Celle-ci, vous la prenez 3 fois par jour pendant 7 jours. Le goût, il est hyper agréable. Par contre, celle-ci va vous faire aller énormément aux toilettes. Ok? Comme ça, vous êtes au courant. Donc, ça, c'est la détox intense pendant 7 jours. Avant chaque cure, vous prenez ça. Ça va vraiment éliminer toutes les impuretés, les toxines. Ça va purifier votre organisme. Ça va bien tout nettoyer à l'intérieur. Et une fois que tout est bien nettoyé, vous commencez la cure que vous voulez. Donc moi, celle que j'adore, c'est la cure infusion ventre plat. Vous avez 3 goûts différents. Vous avez saveur pêche, saveur fruits exotiques et saveur que cerise. Et franchement, elles sont toutes super bonnes. Vous avez la adieu kilo aussi, donc la cure adieu kilo. Et vous avez aussi la cure brûle-graisse. Donc vous commencez toujours par la cure express pendant 7 jours. Et ensuite, vous enchaînez pendant 14 jours avec la cure que vous préférez. Ok? J'aime trop celle-ci. Franchement, si vous voulez avoir le ventre plat, celle-ci est géniale. Donc là, c'est bon. Mon infusion est prête. Hop. Ça sent trop bon. Je vous jure, c'est des thés. Ils sont trop agréables à prendre. Pas besoin de rajouter de sucre, de toute façon c'est le but. Et vraiment, c'est trop trop bon.
parti aujourd'hui, direction un super beau riad pour faire des cours de cuisine. Ça, vous allez kiffer ça. Je le sais. Et moi aussi d'ailleurs. Bon bah, première étape, on est venu faire nos courses. Mais c'est canon. Alors maintenant, on achète la viande et regardez ce qu'il y a derrière. Oh my god. Oh my god. Alors ça, c'est une grande première pour moi. D'avoir le poulet vivant derrière et le poulet que tu vas manger devant, c'est une grande première pour moi. Ça y est, on est rentré au riad, regardez, notre petit atelier cours de cuisine est prêt. J'ai trop hâte. Technique pour faire griller vos aubergines. Tada. Regardez, ça c'est moi qui ai fait tagine kefta, et celui-ci aussi c'est moi qui l'ai fait, tagine poulet. J'ai pas mis les olives encore à la fin, les olives. Et on va déguster alors tagine poulet aux olives, salade marocaine, briwat. Et tagine kefta. Bon appétit. Sahaftorek. C'est un régal. Je vous garantis, c'est un régal. Oh, tu te régales, Imen? J'ai pas les mots. Incroyable. On est en train de tout dégommer. Trop bien.
Tu m'as manqué aujourd'hui, mon amour. Tu m'as manqué aujourd'hui. Oui. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée. Du début à la fin, c'était une journée trop bien. J'ai appris plein de choses. J'ai mangé aussi plein de choses. Genre là, je suis dans l'incapacité de fermer mon jean. C'est mort, c'est foutu. Donc ce soir, je ne mangerai pas, évidemment. Tiens, j'ai des petits popcorn So Shape devant un film. Ça peut être sympa. Mais donc aujourd'hui, on a fait que manger. J'ai trop hâte de vous partager les adresses parce que vraiment, c'est deux lieux super qu'on a fait. Et le cours de cuisine aussi, je vous mettrai toutes les recettes et tout. Génial. Et demain, rebelote de bon matin. On fait deux endroits différents pour les brunchs puisque vous m'avez beaucoup demandé des adresses de brunch aussi. Et le soir, on refait un rooftop. Et là, on fait un rooftop que je connais déjà et qui est vraiment juste incroyable. Non, vraiment, là, vous allez être vraiment très, très content des adresses que je vais vous partager. Ça sent trop bon, le chocolat. Du coup, en fait, il faut les mettre dans un premier temps dans un récipient qui est avec le paquet So Shape, mais je l'ai oublié en France. Donc, je vais faire avec les moyens du bord. Je vais mettre 7 assiettes par-dessus. Et on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Miaou? C'est des popcorn, c'est pas pour toi. Bon, alors là, par contre, je suis larguée. Il y a quelque chose que je comprends vraiment pas. Regarde. Ok. Donc, dedans, j'ai mis mes trucs, là. Après, je choisis 2 minutes. 800. Ok, c'est bon. Start. Why? Pourquoi? Ah, la honte. Vous m'avez tous dit la même chose, c'est trop drôle. Donc, ok, d'accord, bah ouais. Putain. Donc là, je vais mettre... Oh. Attends. Putain, c'est combien? Je sais plus. 1 minute 50. Voilà, à 800. Ok. Start. Alors maintenant... J'ai eu trop peur.
C'est pas... En fait, personne veut que je les mange, ces pop-corn. Ça va le faire. Ça a l'air de très bien se passer pour l'instant.